Bien le bonjour mes petites biches. Alors comment je vais vous dire ça? Il y a maintenant 9 mois, j'ai commencé à créer quelque chose et ça m'a pris énormément de temps. Et pouce bleu si vous aussi ça vous saoule les suspens à 2 balles. Donc je ne vous ferai pas subir la même chose. Voilà, franchement, de rien frère. Et oui, parce que je travaille sur un truc depuis des mois et des mois. Je suis pas du genre à vous titiller en vous disant oui, je travaille sur un projet, je ne peux rien vous dire. Non, moi je bosse dans l'ombre et une fois que le truc est fini, je vous le dévoile. Comme ça, il n'y a pas de frustration. Alors, il y a 9 mois, j'ai commencé à bosser avec Infuse pour créer mon infusion. Elle sera en vente en France et en Belgique. Merci. Comme vous avez vu, j'ai filmé plein d'étapes du processus depuis notre premier rendez-vous jusqu'à la découverte de mes petites infusions à la maison avec Enzo. Et j'ai tout co-créé avec Infuse parce que je voulais qu'elle me ressemble, que moi je l'aime. 2, qu'elle ait un bienfait qui me corresponde particulièrement. Et 3, d'avoir un packaging, une étiquette, une couleur que je kiffe et qui me ressemble. Est-ce que si vous regardez bien sur la petite boîte, c'est le petit kiss de mon logo? Oui monsieur! Si vous ne connaissez pas Infuse, c'est une marque française d'infusion haut de gamme et chaque infusion a une promesse bien précise. Et pour le petit point assez sympa, qu'une fois que vous terminez votre infusion, qui est en vrac hein, dans le pot, je vous montrerai après, vous pouvez décoller l'étiquette, ou dans le cas de mon infusion, la conserver en souvenir, oui. Et vous pouvez recycler la boîte et en faire ce que vous voulez, mettre vos crayons, mettre vos cotons-tiges, vos cotons démaquillants, une petite plante, pourquoi pas. C'est vous qui choisissez, it's up to you. C'est pas une boîte en carton qui va s'abîmer, vous allez devoir jeter. Vous payez pour une belle boîte que vous pourrez garder, et puis c'est plutôt cool de pouvoir garder mon infusion en souvenir. Oui, je vous vois là. Je repasserai faire un tour de classe dans un an pour vérifier qui a conservé ma boîte. Bon, maintenant, concernant le goût de mon infusion, c'est quand même la base. Donc, le goût, c'est citron, frêne, gingembre. Citron parce que infusion au citron, boisson citronnée, c'est ma vie. J'adore les agrumes. Et le frêne qui a vraiment la particularité d'éliminer les toxines et de drainer. Depuis le début, je voulais un bienfait bien précis qui était l'élimination des toxines parce que vous savez que moi et la cellulite, ça fait un. Mais vraiment un bien inséré. Et donc je suis constamment en recherche de produits qui vont m'aider à drainer et c'était vraiment ma demande première quand on a rencontré Infuse. Donc si comme moi vous avez des petits soucis de cellulite et que vous voulez un coup de pouce, mais le frêne ici va vraiment vous aider. Mon infusion s'appelle Fraîche. Je voulais un nom qui soit pas vu et revu et qui inspire quand même le bien-être et fraîche. Voilà, ça fait écho à fraîcheur en français. Et donc ça fait vraiment écho à se sentir bien, se sentir en forme, se sentir frais avec la particularité d'élimination des toxines. Je trouve que ça collait parfaitement. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir les boîtes en grande surface pour les sentir. Alors forcément on sent le citron, mais pas que, on sent aussi le pamplemousse et un petit peu l'orange, vraiment les agrumes à part entière, c'est hyper fraîche pour le coup. Donc si comme moi vous aimez les agrumes en général, le citron, vous allez kiffer de ouf cette odeur. Et comme dirait Enzo, et je confirme là tout de suite, l'odeur elle fait saliver. C'est un truc de ouf. Et du coup, il va être vendu dans tous les Franprix de Paris et de la banlieue de Paris. Et online pour tout le reste de la France et en Belgique. Alors juste sachez que là, je mets un point d'honneur. Avant de lancer mon infusion, Infuse ne livrait pas en Belgique. Pourquoi? Parce que les frais d'envoi sont un petit peu élevés. Mais voilà, moi depuis le départ, je leur avais dit que si on créait une infusion ensemble, il fallait qu'elle soit d'une manière ou d'une autre vendue en Belgique. Ils ont tout de suite compris et donc ils ont ouvert la vente à la Belgique. Mais sachez juste que voilà, ça explique pourquoi les frais de port vers la Belgique sont un peu élevés, mais pensez à faire des commandes groupées avec vos copines. Ça, c'est intelligent. Après, idem en France, hein, vous pouvez faire des commandes à plusieurs pour diviser les frais de port. C'est toujours une bonne technique. Alors maintenant, pour faire un bond dans le passé, tout a commencé quand on s'est rendu avec Enzo dans les bureaux d'Infuse pour faire connaissance avec l'équipe. On a complètement établi les bases de la création du produit, donc que ce soit les particularités, les bienfaits que je voulais que l'infusion ait, que ce soit le design de la boîte, l'étiquette, la couleur, on a un peu mis toutes nos idées comme ça à chaud sur la table. C'était une réunion qui a duré assez longtemps. On a appris plein de choses aussi, ce qu'on pouvait faire, ce qui n'était pas possible techniquement parlant, à la production par exemple, des choses comme ça. Ensuite, étape numéro 2, forcément le goût du produit. Là, par rapport aux bienfaits que je leur avais communiqué et au goût que j'aimais et que j'aimais pas, ils ont établi plusieurs formules et en échangeant sur ces formules par mail, j'ai pu en éliminer quelques-unes que j'aimais moins ou qui m'intéressaient pas trop, et on en a gardé 2 qui m'ont envoyé par la poste. Et donc là c'est quelques mois plus tard parce que j'avais déjà mon nouveau-né. Voilà. Et donc il m'a envoyé 2 goûts que j'ai testés et je pense que je vais vous laisser avec les images, c'est beaucoup plus parlant. Bon, du coup on a reçu les 2 goûts qui se rapprochent le plus de ce qu'on voulait. Et là ça sent à mort le citron. Ah ouais, à fond.
C'est hyper frais. Normalement, pour une infusion infuse, il faut pas plus qu'une cuillère à café. Et beaucoup de gens en mettent trop. Et donc, elle se termine plus vite que prévu. Et je vais regarder l'aspect. Et je tenais à ce qu'il y ait des touches colorées dans l'infusion. Là, on a de la couleur un peu rose dedans. Regarde, il se colore rose et celui-là, il se colore jaune. En effet. Ah, j'aime bien le citron. Moi aussi, j'aime bien. J'adore. En plus, nous, on boit à fond des jus de citron tout le temps. C'est vraiment notre truc, on en met partout du citron. Dégustation. Enfin, déjà en sentant, moi je savais, j'avais déjà une préférence. Et puis quand j'ai goûté, il n'y a même pas eu d'hésitation. Le choix était vraiment tranché, c'était clair et net que je kiffais de ouf la formule qui est là. Et ensuite, ces derniers mois, il y a eu énormément d'échanges pour tout ce qui était packaging. Donc les essais des étiquettes, les essais des impressions sur la boîte, de la couleur. Je voulais vraiment une couleur pastel, une couleur douce et qui rappelle le nom et du coup le goût aussi. Jaune pour le citron, mais aussi jaune parce que j'adore le jaune pastel. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est une couleur solaire, ça met de bonne humeur, ça me ressemble, je trouve, voilà. Ouais, je mets de bonne humeur, ouais. Puis voilà, il fallait décider si je voulais des kisses sur la boîte, si je voulais mon nom sur la boîte, si je voulais d'autres dessins sur la boîte. Ils m'ont envoyé plusieurs maquettes, j'ai fini par choisir les kisses. Après, ils fusent à regarder un peu quelle était la meilleure façon de les imprimer, si on les faisait plus grands, si on les faisait plus petits. Toutes des petites choses comme ça qui, une fois le produit fini, semblent insignifiantes, mais qui pourtant ont eu toute leur importance qu'on a dû créer. Plein de petites choses, plein de petits détails qui font qu'au final, mon produit est personnalisé à 100%, me ressemble et je l'aime trop. Et franchement, je suis trop excitée de me dire que quand vous l'aurez chez vous, vous aurez une partie de moi. Truc de ouf et que vous boirez une partie de moi. Non, c'est très bizarre ça. Mais qu'est-ce que j'étais excitée quand j'ai reçu le colis de voir le résultat, parce que j'avais vu les maquettes, mais après c'est pas pareil que de voir vraiment la boîte en vrai, avec son côté mat, être belle avec les bordures dorées. Donc encore une fois, je vous laisse avec notre réaction. On va enfin découvrir mon infusion. Les infusions, les infusions. Allez, on y va. Nous te souhaitons une bonne réception de tes Infuse Fresh. Nous avons bien emballé ça. À fond, waouh. C'est bien, je suis fier de toi, B. Oh, merci. Félicitations. Trop beau. Ça sent trop bon. À fond. Allez, à fond. Sans exagérer, ça donne l'eau à la bouche. C'est trop beau. J'adore le jaune que j'ai choisi pour le couvercle. Il est vraiment doux et le doré, c'est trop beau. Et fraîche, ça va vraiment bien, je trouve. Je pourrais enfin le boire en le prenant depuis la vraie boîte. Ouais, c'est vrai. Franchement, je suis content pour toi que ce soit enfin arrivé à terme. Yeah. Comme j'ai dit à Infuse quand on a commencé à la créer, je voulais que mon infusion, elle soit belle, elle soit bonne, et surtout qu'elle ait une utilité. Et là, franchement, c'est réussi, mais au-delà de mes espérances, parce que franchement, j'aurais pas pensé qu'elle aurait senti si bon et qu'elle aurait été si bonne. Évidemment, je vous laisse le lien du site pour pouvoir l'acheter dans la barre d'infos. Et sinon, vous pourrez le voir dans vos magasins Franprix à Paris et en banlieue. C'est un truc de ouf. Quand vous allez le sentir, les gars, vous allez vous dire « My God !» Enzo, quand il passe à côté de la boîte dans la cuisine, il la prend et il l'ouvre juste pour la sentir. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et merci à Infuse pour cette belle collaboration, parce que franchement, travailler là-dessus, c'était un pur kiff. Et voir le produit fini encore plus. Maintenant, on attend que vous le goûtiez. Et puis, je voudrais terminer cette vidéo en vous remerciant, la Mifa, parce que sans vous, rien de tout ça n'est possible. Et pour moi, vous êtes vraiment partie prenante de tout ce que je fais. J'arrêtais pas de me dire, j'espère que la Mifa va kiffer aussi. Voilà, j'arrête de me répéter. J'ai trop hâte de vous lire en commentaire. Nous, on se retrouve sur les réseaux. Et très très vite dans une prochaine vidéo, évidemment. D'ici là, portez-vous bien.